Voici l'histoire bien ordinaire qui m'est arrivée cet hiver. Cette histoire, c'est un peu la vôtre, car elle n'arrive pas qu'aux autres. Un jour, le grand patron m'a dit, vous passerez me voir à mon bureau. Monsieur Machin vous remercie, mais j'ai jamais retrouvé de boulot. Une compression de personnel fut mon dernier cadeau de Noël. Alors tout s'est accéléré, mon existence a basculé. Depuis j'habite rue de nulle part, comme ça, ça m'est tombé dessus. Certains choisissent d'être clochard, moi j'ai pas choisi d'être à la rue. Ça s'est passé dans un 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec le sac et mon manteau. Les règles du grand capital m'ont tout volé, même le vital, le nécessaire avant l'envie. Ma vie est devenue la survie. Ma maison, c'est un carton d'emballage alinéa. C'est là que je bossais comme un con, avant qu'ils aient plus besoin de moi. J'ai fait marquer sur un panneau, je fais le mendiant dans le métro. Ça fait bizarre, je vous assure, plus voir les gens, mais leurs chaussures. Et croyez pas que ça m'amuse de devoir faire des numéros du monsieur dame, je m'excuse. Une pièce ou un ticket resto. Ça s'est passé au moins 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Les grandes vacances toute l'année, et les joies du camping forcé. Je ne vous le souhaite pas, mais méfiez-vous, un jour ça tombera peut-être sur vous. Peut-être qu'un jour ce sera votre tour d'aller crever au pied des tours, l'œil ébloui par la lumière des grands marchands de misère. Les belles multinationales qui font des pauvres et des molis, des millions de gens qui crèvent la dalle pour la cinglerie du profit. Et quand arrivera le mot, vous n'en verrez pas la couleur, ce seront les mêmes qu'en entre eux. Messieurs, mesdames, à votre bon cœur. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Alors vous vivrez l'aventure, que vivent les nouveaux clodos, car dans la rue la vie est dure, la rue ça fait pas de cadeau. Assis sur le banc de touche, non vous n'aurez pas le choix, on vous mènera de force à la douche, et que vous soyez sale ou pas. Pour conserver votre apparence, vous vous raserez tous les matins, mais les jours de grande affalance, vous volerez les grands magasins. Un feu rouge vous défrappe, à des gens tous indifférents, vous serez vendeur du lampadaire, l'hebdomadaire de la galère. Ça s'est passé au moins 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Oui, mais je sais qu'un jour viendra, un jour le vase débordera, les pauvres se réuniront, voilà ce qui arrivera. En ayant marre d'être cocu, nous les exclus de la galette, on viendra prendre notre rue. Cette fois, c'est vous qu'on aurait les miettes.
comme il n'y aura pas d'autre solution, on fera révolution, des millions de pauvres dans la rue, ça peut vous foutre un gros chahut. Et on s'ennuiera pique-nique sur le pelouse de l'Élysée, et ce jour-là, planquer l'artiche, il fera pas bon être trop riche. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un camion avec mes sacs et mon et les joies du camping forcé, je